Bonjour à tous, c'est Revensmile et bienvenue sur Hearthstone. Pour une fois, je joue sans casque, parce que j'ai un vieux retour de son qui est assez perturbant. Donc, classé avec ces toons. Pardon, par contre, ça c'était pas prévu. Ah. Je suis désolé, il va y avoir le son du jeu en double pendant quelques secondes, parce que le casque était un poil fort et je l'avais pas prévu ça. Parce que j'ai le casque autour du cou, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus depuis la dernière fois? Non, rien d'important, de mon côté. Ouais, je tourne un peu, je profite hein, d'être tranquille pour tourner un petit peu de contenu, même si c'est un peu... Bon, c'est pas tard par rapport à d'habitude. Jaina, ok. Oui, donc juste avant, je suis tombé sur des adversaires. C'était n'importe quoi. Mais les trucs qu'ils avaient, les mecs, en face, c'était horrible. Je me faisais ouvrir à chaque fois, j'avais pas le... pas les cartes, j'avais pas ce qu'il fallait. Je suis tombé sur des mecs qui avaient... Je suis tombé sur un, il avait... Il m'a sorti en deux tours 5 légendaires dorés. Sachant qu'il avait que des communes et des rares et des épiques dorées derrière, je crois qu'il avait 3 cartes non dorées dans son deck. Quand ils sont sortis. Je sens que ça va être un deck casse-couilles encore. Je sens que ça va être la journée des casse-couilles. 2, 1, la prochaine se fait bouger pour l'instant. Hop, hop. Je sens que ça va vraiment être la journée des casse-couilles. Putain, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu que ça l'avait joué. Oups. Il y a eu des... Boulet. Non. Par contre, là, pour une fois, l'ambiance de la scène correspond avec ce que je joue. C'est plaisant. Bon, bah on va jouer de la défense. Vite goussé. Je pense pas qu'il me laisse en vie, clairement. Nous avons de nombreux. J'adore ces plantes carnivores. Oh putain, mais encore des secrets. Casse-moi pas les couilles. Je sens que ça va être un contre-sort, ça. Je le tente, on va voir si ça marche. C'est bon, ça passe. Ça passe. Ouh, ça c'est sympa, ça, le deck miraculeux. Ça me plaît, ça. Ça me plaît beaucoup. Hors de ma jungle. Bon. Tu joues, Maurice? T'es là? Allô? J'ai remis le casque, j'ai une espèce de vieil écho dans le casque, c'est assez perturbant, c'est assez bizarre même, on peut dire. Oh. Est-ce que les aiguilles vont tomber? Je viens de tilter, mais l'insigne des secrets, il est assez space quand même sur le ce qui a été joué sur l'historique de la partie. Moi aussi, je sais le faire. Ouais, ben, m'en fous. Je suis blessé après. Donc, je joue ça au prochain tour, ça au tour d'après, ou ça et ça, mais en tout cas, ça sûr. Oui. Travail terminé. Nah. Tiens, par contre, cette auberge, elle est tellement mal famée. Regardez la gueule du tapis derrière. Putain, ça donne pas envie. Regardez-moi ça. Oui, merde, vous voyez pas ma souris. Je sais pas, comment on fait pour voir sa souris d'ailleurs, faudra que je regarde ça. Aïe. Aïe. Ça. Allez, dégage. Allez, bouffe. Putain, j'ai pas monté mon toon, mais je suis trop con. Ah, dommage. Dommage parce que c'est de la merde. Ouais, pour moi, non, c'est pratique, mais pour toi. Bon, là, il y a un seul moyen pour que vous voyez où est ma souris, c'est de cliquer sur le décor. Ah, oh putain. Service secret, laissez passer.
Ok, ça va être gênant là. S'il te plaît, le deck miraculeux, viens mon secours. Non. Fais chier. Es-tu mon maître? Comment je vais gérer ça? J'en ai pas la moindre idée. Je peux me suicider, s'il vous plaît, monsieur. Bon. Par ici. Bien joué. On va voir s'il est gentil, s'il me laisse en vie. Non, il va pas me servir. Connard. Connard. Et peut-être grec au passage. C'est gênant. Bon ben, petite vidéo très courte. Et surtout très calme. On va pas rester sur cet écran déprimant de défaite. Donc, mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Hearthstone, Minecraft ou peut-être un autre jeu si j'arrive à l'installer. Oui, n'hésitez pas à vous abonner, un pouce bleu ou un pouce rouge ou un commentaire sur la vidéo pour donner votre avis. Ça me ferait très plaisir. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, c'était Rebozmin.